Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Pensez-vous qu'un scientifique émérite puisse donner sa vision rationnelle du monde dans lequel nous vivons? Les nombreux problèmes liés aux activités humaines ne peuvent que nous demander un peu de sérieux pour un instant et nous extirper de notre individualité bien dérisoire face aux enjeux en cours pour les générations futures comme pour nous tous aujourd'hui. Travaillant actuellement sur la gravité quantique et spécialiste en relativité générale, physique des trous noirs et cosmologie, le scientifique et philosophe Aurélien Barraud est l'un des rares scientifiques sans compromis quant à sa vision du monde et notre capacité à créer nous-mêmes notre anéantissement. Aurélien Barraud a choisi par l'interdisciplinarité, le langage, la philosophie, l'histoire, les sciences dures, d'aborder à la loupe la communauté humaine. Dans une conférence récente, il propose des pistes et explications de notre inaction face aux multiples dangers. En 16 points, il effectue sa démonstration. Retraçons succinctement sa pensée à travers ses mots prononcés lors de cette conférence donnée à l'Université de Genève. En prologue, Aurélien Barraud nous avertit du danger de focaliser sur le réchauffement climatique, qui ne sert à rien. Au contraire, c'est l'occasion de brouiller les pistes de réflexion plus ambitieuses. Ce monde est dystopique, même sans carbone. Aussi repensons notre symbolique, mythique et poétique. Voici ainsi les 16 points. Premier point, les faits. Nous avons éradiqué 2/3 des insectes, des mammifères et des arbres. Sur les 9 limites planétaires identifiées, 6 ont été franchies. Les espèces s'éteignent 1000 à 10 000 fois plus vite que la normale. La pollution engendre des milliers de morts. Il ne reste que 20% de terres émergées non saturées par l'activité humaine. L'océan de plastique se développe de manière exponentielle. Les forêts tropicales ne jouent plus leur rôle de puits de carbone mais en émettent. La moitié des arbres plantés pour la compensation carbone sont morts. Avec les particules fines, l'espérance de vie a été réduite de 2 ans et les fous continuent pour les métaux rares. Rien n'est épargné à l'indécence. 31 millions de touristes sur paquebot, profit de 10 milliards de dollars pour le secteur aérien avec une prévision multipliée par 4, alors que l'extinction de la vie est 5 fois plus rapide. Deuxième point, les causes. Interruption de la biochimie, acidification des terres, prolifération des espèces invasives, chute de la biodiversité. Bien évidemment, ce n'est pas une cause, mais le problème en tant que tel. Le climat n'est qu'un petit aspect. La crise est plurisectorielle. Même sans réchauffement et sans CO2, nous serions quand même dans une extinction massive. Alors pourquoi parler tant du climat? Parce qu'il s'agit d'une question technique. À solution technique. Ainsi, ensorcelé par la technologie, Prométhée est déchaîné et aliéné. Vous l'aurez compris, il s'agit ici plutôt des conséquences. Troisième point, les vraies causes. Les COP se succèdent sans succès. La question est, souhaite-t-on tenter de rendre durable un monde qui n'est même pas souhaitable? Souhaite-t-on élever nos enfants au rythme de TikTok et de les alimenter grâce à Carrefour? Ce monde est-il souhaitable? Même la transition pour poursuivre avec moins de CO2 nous montre notre dépendance à une drogue indépendamment de ses effets néfastes. Construire une aberration est méprisable alors qu'il n'y a pas d'effort à faire. Les grands gagnants du monopoly mondial nous promettent un plan dans le cerveau, réseaux sociaux dérégulés,
défiguration de la voûte céleste, c'est cela qui doit nous alerter. Nous détournons nos fantasmes vers une technoprédation planétaire. Quatrième point, l'instable. Le fait que la croissance illimitée est utopique commence à être compris. À ce jour, il reste la même quantité disponible en énergie que ce qui a été utilisé. Cependant, à continuer, nous allons vers une décroissance non souhaitée et subie qui nous mènerait à un cataclysme politique. Il faut utiliser la contrainte pour créer comme les artistes. Vivre sans Twitter, c'est tout sauf un effort, c'est une renaissance contre la mesquinerie et la vacuité. Cinquième point, généralisation de l'IA. Qu'elle soit décarbonée ou pas, voulons-nous réellement de l'intelligence artificielle? Voulons-nous être gérés par des algorithmes adaptés à la surveillance de masse, décupler nos addictions, voire contribuer à une finance régie par des codes dont plus personne ne comprend les rouages? Indépendamment du néocolonialisme et de l'impact carbone, l'intelligence artificielle n'est-elle pas une gigantesque merde nous menant vers une nécrophilie numérique et un obscurantisme certain? Elle est le problème. Ces quelques effets positifs sont comme la plupart des produits cancérigènes. On ne peut plus justifier une ingénierie globalement délétère pour quelques profits marginaux. L'intelligence artificielle, par essence, ne peut nous apporter quelque chose de nouveau. Elle n'est issue que des réflexions passées et actuelles. ChatGPT comme agent conversationnel, singeant l'écriture humaine, montre l'insipidité de ce qui nous enthousiasme, alors que la vie magique, le merveilleux, meurt tout autour de nous. L'intelligence artificielle ne détient aucun concept de vérité ni chaîne symbolique, elle n'est qu'une suite de mots sans attache. C'est une métavacuité. Lire ChatGPT, c'est faire l'amour à une poupée gonflable, l'amour en moins. Sixième point, les mots. Ne nous laissons pas voler les mots par les menteurs et les cerbères de l'immobilisme, même s'il est déjà trop tard. Au jeu de la poésie, on ne peut que gagner contre leurs mots nécrosés. Le mot croissance n'est pas que le PIB, c'est la croissance de l'amour, de la fleur, de la culture, de la musique, et non pas l'atrophie de notre puissance d'être. Le mot progrès, pourquoi ? Des gadgets qui engendrent pollution et addiction dévastatrice? Le mot violence, nous sommes tous contre. Mais qu'est-ce qui est le plus violent? Une machine qui détruit ce que des milliards d'années d'évolution ont construit? Ou faire cesser la machine? Le mot liberté, de quoi? De polluer, de détruire et de jouir, en compromettant tout simplement notre liberté de vivre? Et le mot écologie, qui devrait plutôt être amour de la vie? Pourtant enfermés dans une dichotomie de la nature et de la culture, nous mettant en incapacité de penser l'ensemble. Septième point, la démographie. Ce n'est pas le problème. Un seul Elon Musk fait plus de dégâts que tout le continent africain réuni. De plus, même moins nombreux, nous utiliserions plus d'espace et de ressources. Les Occidentaux, civilisation de l'hubris, colonialistes et paternalistes, alors que les populations en forte croissance sont les pays pauvres non responsables de la catastrophe actuelle. Cette angoisse démographique est plutôt la pensée cachée qu'il n'y aura plus assez à massacrer pour tout le monde. Pourtant, si l'on sort de la prédation, il n'y a plus de problème démographique. Huitième point, la poésie. C'est ici que se jouent les choses sérieuses. Ce qui ne relève pas de la poésie est un détail. Neuvième point, l'arrogance. On ne peut plus donner de leçons. Nous sommes la civilisation la plus meurtrière de l'histoire de la biosphère. Que restera-t-il de nous dans des millénaires? Rien. Il restera un affaissement drastique de la vie, sans cause extérieure observable. La singularité de notre temps n'est pas dans l'erreur, mais dans l'entêtement. Le tourisme, ce n'est pas l'impact du transport aérien, mais les lieux que nous maculons dès notre présence, alors que l'itinérance devrait être le sens du voyage. Nous préférons consommer de la montagne, consommer de la mer ou encore des déserts. Dixième point,
le racisme et l'ignorance. Liés au point précédent, la prédation suicidaire qui nous caractérise serait l'expression de l'essence de l'humanité, comme si rien n'aurait pu se passer autrement. Idée éhontément raciste qui invisibilise et déshumanise tous les autres hommes et femmes qui nous ont précédés. Nous avons érigé en normes nos addictions mortifères. Alors regardons ailleurs, découvrons l'autre à travers l'anthropologie. Nous ne pouvons nous épanouir dans un monde sécuritaire et identitaire alors qu'il suffirait d'accueillir l'altérité. 11e point, Hitler et la fusion nucléaire. Imaginons une source d'énergie propre et illimitée. Cela serait la pire catastrophe possible, car nous parachèverions notre utopie du réel, de transformation de la planète en déchets. Insistons, le problème c'est ce que nous faisons, pas la manière dont nous le faisons. Sans revoir l'enjeu de notre être au monde, tout outil de destruction massive éco-responsable et bio serait dans tous les cas nuisible à l'homme. 12e point, la richesse. Les 1% des plus riches sont injustifiables. Une meilleure répartition sauverait des vies, et ne pas en tirer des conséquences est consternant. En réalité, il n'y a rien à envier à ces mondes morts. Rien de ce qui compose la vie n'est vraiment là. Poésie, musique, regard de l'être humain. Jalouser les Elon Musk, c'est tellement manquer d'ambition et régressif. C'est comme cet Occident rêvé par l'Afrique, c'est bien mal connaître l'autre. Nous sommes endoctrinés à la possession. Aucune évolution ne peut émaner de l'initiative individuelle. L'affaire est systémique. Il faut donc changer les règles du jeu. 13e point, le cancer. La sphère technique a pris son autonomie sous notre contrôle, mais ce monde technologique est devenu un véritable organisme vivant dont nous sommes l'hôte, consentant. Il suit le même développement que le cancer, il a besoin de l'hôte de manière marginale jusqu'à sa mort. 14e point, les leviers. Donamidose a établi 12 niveaux systémiques par palier. La valeur des variables, voilà où nous en sommes et ce qui est discuté dans les milieux scientifiques et intellectuels. Prenons l'exemple du montant des retraites débattu, mais jamais une reconsidération de ce qu'est le travail dans une société qui a très clairement changé en peu de temps. Il faut inventer de nouvelles questions. L'alternative est la seule chance et source d'émerveillement, et pourtant, nous sommes incapables de l'envisager. 15e point, la philosophie. Elle peut nous aider, mais ce n'est pas si simple. Elle est malade de sa propre suffisance. Le logos, chef-d'œuvre de la rationalité vénérée unique et omnipotente. La philosophie se raconte sa propre histoire et invisibilise toute autre pensée restant dans une appréhension binaire du réel. Le logos, notre joyau, est aussi notre fléau. 16e point, la science. Désimpérialiser la science et l'habiter poétiquement. Orienter les savoirs vers des solutions techniques est un mauvais choix. Il faut un renouveau radical des symboles et des valeurs, une science nomade, bohémienne de la vérité, humble et intransigeante, déviante et profondément révolutionnaire. Elle n'est que constat et demeure incapable de choisir pour nous la direction que nous souhaitons. Si elle n'est qu'un simple outil, elle ne peut qu'accélérer l'effondrement, alors qu'au contraire, dans sa capacité à subvertir les croyances, elle contribuerait à nous donner des chances. Pour paraphraser Rabelais, science sans déviance n'est que ruine de l'âme. Voici donc les 16 points évoqués par Aurélien Barreau lors de cette conférence. La justesse de son discours sur notre besoin de repenser notre être au monde, bien plus que de trouver des solutions techniques au réchauffement, démontre à quel point nous sommes encore loin dans nos revendications quotidiennes à dépasser notre individualité pour renouer avec l'autre et avec la nature. Si ce travail n'est pas urgemment entrepris, nous tomberons dans l'écofascisme qui nous est réservé par notre arrogance. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh, 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 c'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Moi, Green, oui. Green, comment ? Oh, super green, aussi green, green, green que ça peut être green, 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 la puissance des green, 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 tu vois, mais tu vois le green, 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 green,